Bonjour. Bonjour. Parle-nous de toi. Je m'appelle Alexandre, j'ai 17 ans et depuis tout petit, je suis passionné de moto. Et tu as commencé à quel âge? J'ai commencé à l'âge de 9 ans en pocket bike. Puis, voyant que j'adorais ça, mon père m'a inscrit ensuite au championnat suisse mini bike. C'est des Honda de 100 cm3 qui avaient environ 8 chevaux. Ensuite, je suis passé au championnat GP3 Junior Cup qui regroupe plein d'espoirs juniors. Sur ce championnat, je roulais avec une moto de 250 cm3 qui développait environ 30 chevaux. Et cette année, j'ai roulé en championnat international allemand, donc IDM, sur une moto de Sutter MX qui développait environ 125 chevaux. Donc des sensations différentes. Très différentes. C'était incroyable. J'ai adoré ça. La moto était vraiment très puissante et très maniable. D'accord. Et tes projets maintenant? Pour l'avenir, j'ai reçu une proposition incroyable qui m'a permis de pouvoir atteindre le championnat CEV espagnol, donc le championnat européen en catégorie moto 2, dans un team suisse qui s'appelle Swiss Junior Team. Ce team incroyable donc m'a proposé de faire partie de leur infrastructure, mais malheureusement, tout a un prix et c'est là que j'ai besoin que beaucoup de monde m'aide à réaliser mon rêve, donc atteindre ce championnat. Donc tu as besoin de partenaires pour et cet argent va servir à quoi? Cet argent va servir à faire beaucoup d'entraînement, à avoir de meilleures pièces pour la moto et donc, toutes ces choses-là qui sont essentielles pour pouvoir progresser. Cet argent va aussi servir à financer donc tout simplement la saison dans ce team parce que si cette année ça marche pas, bah je pense que ce sera la fin de ma carrière et c'est vraiment pas ce que j'ai envie. Tu veux pas que ça s'arrête là? Non. Eh bien, on te souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. Merci, Alexandre.